Ouais, t'es malade toi, hein? Oui. Tu vas mettre tes chaussons, hein? Voir. Donc voilà, avec des pots de peinture. Ça, c'est chouette. Oui. Avec un petit pinceau. Sur la peinture. Ok, très bien. Et bien donc, c'est une grosse donc, tête, c'est là, un là. Crayon et là, la peinture. Et là, c'est très calme. Maintenant, les autres. Le là. Pour jouer avec. Bah c'est ça. Ah. On met debout ça. On met comme ça et puis on peut jouer comme ça dessus. Le 2 il est où? C'est bien, hein, petit bonhomme. Qui fait du ski. Un bonhomme qui fait du ski. Ouais, un petit peu du ski. Pour qu'elle construise après. Elle. C'est qui qui fait? Une amie qui filme. Elle est en train de filmer avec une caméra. C'est maman? Quoi? C'est maman? Moi? Oui. Elle a deux têtes, on dirait. C'est vrai qu'elle a deux têtes. Ah, une pas contente et une gentille. Oui. Une contente. Voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le vlogmas numéro 3. Aujourd'hui, donc là, je vous ai repris, je vous prends seulement maintenant, c'est un peu la folie, j'ai même pas pris le temps d'ouvrir ma calendrier de l'avant. Voilà, j'étais fatiguée, j'ai dormi, je me suis levée hyper tard, il était 8h30. Donc le temps que je me passe, sachant que là, j'ai rendez-vous très tôt pour épilation de mes sourcils. Donc voilà, je vais, je vous emmène avec moi. Bon, bah, après, pas pendant l'épilation, bien sûr. Hein. Voilà, et puis j'ai quelques colis à les récupérer à droite et à gauche dans quelques magasins. C'est cool ça quand, bien sûr, c'est pas la poste qui vous livre et qu'après, il faut aller en point relais à droite et à gauche pour aller récupérer les colis. On fait quelques économies de frais de port, mais des fois, je me demande que si vraiment ça sert à quelque chose. Si vraiment ça vaut le coup de faire une économie de 3 euros sur les frais de port quand on ne vous livre pas à la maison et d'aller les chercher, c'est bien que là j'avais un rendez-vous dans le coin, donc après c'est dans toute la zone, c'est dans la zone commerciale où il faut que j'aille dans 2-3 magasins différents. Bref, c'est pas grave, de toute façon je vais y aller, donc là j'ai bientôt rendez-vous, donc il faut que j'y aille. Quoi d'autre? Donc oui, bah, après dès que je rentre... Je vais ouvrir ma calendrier parce que comment vous dire que moi le petit alors a déjà ouvert ses calendriers. Bien sûr c'est la première chose qu'il fait maintenant hein, le matin. Et il a plus de mal à se lever, hein. C'est curieux, ça fait deux jours. Il est au taquet dès le matin et voilà il ouvre ses calendriers et il est tout content. Donc après il les construit. Donc c'est cool. Voilà, donc la journée commence, donc là ça change, hein. Encore une fois je vous prends dans ma voiture, mais là il fait jour, j'ai pas la lumière jaune de la voiture, oh, qui me donne un teint si, on sait pas en fait, bref, donc bah, là c'est parti, allez on y va.
C'était infernal, je voulais vous filmer dans les magasins, mais c'était juste impossible, c'était noir de monde. Même moi, j'avais du mal à regarder dans les rayons. Donc voilà, tant pis. Enfin, voilà, finalement, j'ai rien acheté, il y avait trop de monde. Ça m'a saoulée, j'aime pas ça du tout quand il y a trop de monde. Donc là, ouais, voilà, je suis contente, je suis revenue. J'ai reçu quelques colis et puis on va ouvrir les calendriers de l'Avent parce que bon, là, c'est pas que, mais il commence à se faire tard. Hein, moi, je vais les ouvrir. Donc là, je vous reprends, je refais des plans, on est tard le soir, mais en fait, au moment du montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'au niveau des ouvertures des calendriers, j'avais un problème de son et puis d'image. Je ne sais pas ce qui s'est passé au moment où j'ai filmé les ouvertures de calendrier, je suis dégoûtée. Donc du coup, je vais vous remontrer ce que j'ai eu. Donc dans le look fantastique... Le fantastique, oui, j'ai eu le crayon eyeliner de Ciaté London. Alors vous savez, je l'avais déjà vu dans une box et je ne mets pas d'eyeliner. Donc en fait, ça m'en fait deux. Donc je suis un petit peu déçue par contre du produit parce que j'en ferai rien. Donc voilà, pour le look fantastique. Au niveau du Ciaté, j'ai eu un joli vernis rose. Alors dommage, je vous le mets peut-être ici. Vous verrez un peu mieux, mais il est magnifique, magnifique. J'ai hâte de le porter et c'est la couleur cabaret. Et vraiment, il est très très beau. Et au niveau du Kiehl's, voilà, nous avons une petite crème ultra faciale cream, donc une crème pour le visage. Et donc ça, c'est cool. Donc voilà, un joli petit pot, ça c'est chouette. Donc voilà pour le contenu de mes calendriers de l'Avent. Alors hier, je vous avais parlé du vernis. Et le numéro 1, c'était pas un vert, hein. Je sais pas pourquoi je dis vert, mais c'est bien noir, hein. C'est en revoyant la vidéo que je me suis rendu compte que oui, c'est bien un noir pailleté, il est juste magnifique. Donc voilà, je voulais revenir sur le rouge à lèvres du coup qu'on avait eu aussi, que je voulais swatcher, qui avait l'air super beau, marbré comme ça, donc on le regarde en plein jour et franchement, ouais, il est vraiment super super beau. Je vais le swatcher. Il a l'air opaque, il a l'air mat. Franchement, je ne sais pas si du coup vous verrez. Ouais. Il a l'air, il est très joli, très facile à porter. Donc voilà, et ouais, il a l'air super joli. Donc voilà, on se retrouve après, plus tard. Là, je vais ranger deux trois petites choses et puis on se retrouve plus tard. Donc je vous reprends là. On est déjà presque en milieu d'après-midi. J'ai pas vu le temps passer, j'ai fait toujours un peu de ménage, mes 2-3 lessives. D'ailleurs, j'ai pas fini, j'en ai encore une qui doit attendre d'être séchée. Qu'est-ce qu'il y a donc là? Je vais filmer ma vidéo sur la Battle Geek, voilà, que je vous avais promis. Enfin, je vous avais dit que je ferais une battle donc sur la Woodbox et la Etike Box. Donc elle est là, je vais en profiter, je vais la filmer. Là j'ai le petit avec son papa qui sont partis faire une course. Donc voilà, ils vont revenir un petit peu plus tard. Donc ça m'arrange. Comme ça, je vais avoir le temps de pouvoir ranger bien, bien, bien. En plus, on était en train de ranger tous ces jouets dans le bureau parce qu'on est en train de faire un tri. Parce que voilà, Noël approche. Mais le pire encore, c'est que la semaine prochaine, c'est son anniversaire. Donc, il faut absolument qu'on fasse de la place parce que je sais qu'il va recevoir encore beaucoup de jouets ce mois-ci, hein, forcément. Donc voilà, on essaye de faire un tri. Puis voilà, tout ce qui est les jouets cassés, les jouets qui sont plus adaptés à son âge, et ben voilà, on va les mettre de côté. Donc voilà, j'ai reçu mon colis Maison du Monde, donc je vais en profiter, je vais vous montrer. Donc voilà mon colis Maison du Monde. Je sais pas pourquoi ils ont mis dans un énorme carton comme ça, donc je viens juste de l'ouvrir, j'ai pas encore déballé. De ce que j'ai me souvenir que j'ai commandé, c'était pas dans un gros carton comme ça. En tout cas, il y a de l'emballage, hein. Il y a du papier. On va regarder ensemble. Bon, effectivement, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper bien emballé. Donc, c'est plus facile si je vous pose. Donc, je m'étais commandé un petit plateau. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Un petit plateau, il était très joli. Voilà, un petit plateau. Donc, sympa. Voilà, un petit plateau en bois où je vais pouvoir y poser des choses dessus ou m'en servir voilà, pour le petit déjeuner. Donc, je me suis pris une petite décoration de Noël aussi. Voilà, vous savez, un petit sapin comme celui-ci. Vraiment, il est très joli, très joli. Juste Merry Christmas, je ne sais pas encore où est-ce que je vais le poser en fait. Donc je vais voir en fonction des décorations que j'ai déjà.
Voilà, où est-ce que je le mets? Voilà, si je le mets sous la cheminée ou si je le mets voilà, à l'arrière. J'ai pris une petite étoile. Elle était pas chère, franchement, elle était pas chère. Donc, qui marche avec des piles. Donc voilà, une petite étoile, ouais, elle coûtait 5 euros. Voilà, une petite étoile, je trouve ça hyper joli. Et j'ai pris... Et voilà, j'ai craqué pour une petite bonbonnière comme celle-ci. Donc ça sera en remplacement de celle que voilà qui est à côté derrière sur le bahut avec les bonbons. Du coup, bah, ça me permettra de mettre moins de bonbons. Mais elle fait vraiment, alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est très, très Noël. Hein, voilà, elle fait très noélique. Et je trouve ça, je la trouvais hyper mignonne. Donc voilà, voilà les petits achats maison du monde. On va pas trop en faire hein, parce que ça coûte quand même un bras. Mais voilà. Des petites choses hyper sympas. Donc voilà, je vous laisse le temps de voilà que je me prépare parce que là je me suis hein, voilà quand je fais mon ménage, moi je m'attache les cheveux, je peux pas faire mon ménage les cheveux détachés. Hein, bref, je parle pour rien dire. Jusque bah, là je vais vous laisser parce que je vais filmer ma vidéo et puis je vous reprends juste après. Pareil, alors j'ai acheté de la déco, chose qu'il ne savait, qu'il ne sait pas, mais voilà il voulait un peu. Je sais qu'il aime beaucoup les dinosaures, donc je lui ai pris une petite décoration de dinosaures, voilà des petits dinosaures à poser sur la table. Voilà, c'est comme ça. J'ai acheté ça sur un site que j'avais jamais commandé. C'est Récré Party, me semble. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. C'est pas très cher et j'ai reçu la commande en 3 jours. Franchement, en 3 jours, j'ai jamais eu une commande aussi rapide. Donc franchement, je recommande. J'ai tendu un peu le dos parce que j'avais jamais commandé sur ce site. Et en fait, bah, franchement, très, très bien. Il y a plusieurs, il y a plein de thèmes différents. Donc je recommanderai chez eux, ça c'est sûr. Donc voilà, une petite banderole. Joyeux anniversaire, voilà, avec des dinosaures et puis des chiffres. Donc, ça peut servir une paire d'années. Hein. Donc, ça, c'est top. J'ai pris des petites serviettes. Voilà. Des petites assiettes aussi quand on mangera le goûter. Donc, ça, c'est pour l'anniversaire à la maison avec, avec les grands-parents, les oncles et tantes. Un petit ballon 5 ans. Mais j'ai pris aussi des petits ballons voilà, avec des petits chiffres 5 dessus. Voilà, j'en ai pris tout plein. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Ça peut être plus sympa pour lui. Elle peut mettre partout. Et donc, des gobelets. Voilà, quelques gobelets. Pas besoin d'en acheter non plus 50 millions. Parce que nous, on ne pourra pas... Les adultes, pas forcément dans des gobelets, mais au moins les enfants. Donc, voilà. Voilà pour à peu près la déco pour lui, pour son anniversaire. Donc, elle est très, très jolie. Alors là, forcément, au niveau de la luminosité, on n'est pas... On n'est pas très bon, mais franchement, elle est très jolie. Oh, pardon. Elle est très jolie, ça donne un très joli rendu. Et puis, du coup, alors on voit plus ma bonbonnière. Mais la voici. Alors, j'ai remis les bonbons qui me restaient, hein, mais même pour celle-ci, il n'y en a pas assez. Donc, voilà ma petite bonbonnière. Donc, ça, c'est très joli aussi. Donc, voilà, je mets ça là. Et puis bah, je continue mon rangement. Et donc, bah, voilà, je continue mon rangement. J'ai encore plein de choses à ranger. En fait, au niveau de la décoration, je pense que là, j'ai pas le temps. Parce qu'en plus, il est déjà 4h30 passé, je crois. Donc, j'aimerais bien faire une petite pause goûter quand même. Même si je suis toute seule. Donc je vais finir de ranger à droite et à gauche, voilà, et puis je ferai vraiment la décoration de la maison demain, voilà, avec le sapin, parce que là, bon, c'est vrai, c'était vraiment, il y avait vraiment besoin d'un gros rangement, et comme je vous dis, on en profite pour faire, je profite pour faire le tri aussi des jouets du petit, donc c'est quand même très très long. Donc voilà, et bien je vous reprends sûrement plus tard, voilà, oui, je vais sûrement vous reprendre plus tard. Qu'est-ce que j'ai l'impression que je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus. Donc, bah, dès que j'ai trouvé, bah, je vous le dis. Donc, la caisse de elle est ici. Et nous avons un Milky Way. Crispy Roll. Alors là, oups. Un Milky Way Crispy Rolls. Vous connaissez ça? Alors, moi, je ne connaissais pas nouveau. Tout c'est nouveau. Voilà, je pense que c'est nouveau. Oh, mon petit Milky Way là. Bon, bah, on verra bien. Donc je pense que ça doit être du gâteau. Donc à tester. Donc j'en profite, je prends mon thé dans une petite tasse. Maison du monde aussi, oui oui, mais ça c'était pas dans mon colis, c'était un achat compulsif que j'avais fait il y a une ou deux semaines. Voilà, avec la collection de Noël. Oh, il est trop chou.
Je l'adore. Donc, eh ben, je vais peut-être prendre justement dans la T-Box en Manhattan, vu qu'elle est là, que j'ai pas encore rangé. Je sais, j'ai du mal à ranger. En ce moment, c'était hier soir que j'ai fait la vidéo et j'ai pas encore, je l'ai reposée dans la cuisine, mais il faut que je, absolument que je range. Voilà, faut que je range. En attendant, on va prendre un petit sachet, je sais pas lequel. Donc, un petit sachet de thé vert, moi ça me plairait bien. Du thé vert, green tea. Ben, on va prendre, on va essayer ça, le 103 là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on va essayer le 103. Alors, à une main, je vous raconte pas. Hein. Faut avoir l'habitude. Hein. Hop. C'est un joli petit sachet. Hop. J'aimerais bien. Hop là. Voilà, une chaîne, celui-ci. Bon, on verra. Je vous en dirai des nouvelles. Bon, bah voilà, là maintenant, il se fait très tard. Ils vont pas tarder à rentrer. Et donc, je vais préparer à manger. Et puis, on va manger. Et puis, on va passer la soirée, voilà, tranquillement. Peut-être devant un film ou une série Netflix. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici. En plus, j'ai même pas encore commencé le montage de cette vidéo. J'ai le montage de cette vidéo à faire. Et j'ai pratiquement fini le montage de la vidéo que vous verrez demain, donc hein, sur ma Battle Geek, parce que du coup c'est demain que vous la verrez, donc vous aurez deux vidéos demain sur ma chaîne, hein, donc vous aurez ce vlog et puis bien sûr une vidéo la vidéo Battle Geek. Donc voilà, donc j'ai encore pas mal de boulot sur mon ordinateur aussi avant. J'ai presque fini de ranger, franchement c'est infernal. J'ai encore une lessive aussi encore à étendre en bas. Ma dernière lessive, après bah, il y aura encore demain un peu de ménage. Et demain je finis donc les jouets, de ranger les 2-3 les 2-3 choses à ranger. Je finis et puis on attaquera, on pourra attaquer comme ça du coup la décoration de la maison. Et puis le sapin. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao.